Haute écoute, salam alaikum, mesdames et messieurs, bonjour, je suis Adkhanou Gabriel. Dans cette vidéo, je vais vous donner les résultats des différents championnats européens joués ce week-end. On commence par l'Allemagne, la Bundesliga, c'était la deuxième journée. Vendredi, RB Leipzig a gagné contre FB Stuttgart 4-0. Samedi, Bochum a gagné contre l'équipe de Mayos 2-0. Hertha Berlin s'est incliné à domicile devant l'équipe de Wolfsburg 2-1. Inter Frankfurt a fait match nul contre Augsburg 0-0. Fribourg a gagné contre Borussia Dortmund 2-1. Greuther Fürth a fait match nul contre Bielefeld 1-1. Leverkusen a gagné sur un score lourd contre Borussia Mönchengladbach 4-0. Dimanche, Hoffenheim a fait match nul contre l'Union de Berlin 2-2. Bayern Munich a gagné contre le FC Cologne 3-2. Pour le classement, on retrouve la première place Wolfsburg avec 6 points. Deuxième position, Hoffenheim avec 4 points. Troisième position, Leverkusen avec 4 points. Quatrième position, Bayern Munich 4 points. Cinquième position, Fribourg avec 4 points. Et sixième position, RB Leipzig 3 points. On passe après à l'Angleterre, Premier League, c'était la deuxième journée. Samedi, Liverpool a gagné contre Burnley 2-0. Leeds a fait match nul contre Everton 2-2. Aston Villa a gagné contre Newcastle 2-0. Crystal Palace a fait match nul contre Brentford 0-0. Manchester City a gagné contre sur un score lourd contre Norwich 5-0. Dont un but de Riyad Mahrez. Brighton a gagné contre Watford 2-0. Pour les matchs du dimanche, Wolverhampton s'est incliné à domicile contre Tottenham 1-0. Southampton a fait match nul contre Manchester United 1-2. Et Arsenal s'est incliné à Chelsea 2-0. Je vous donne le classement. À la première place, on trouve l'équipe de Chelsea avec 6 points. Et aussi Liverpool avec 6 points. Troisième position, Brighton avec 6 points. Quatrième position, Tottenham avec 6 points. Cinquième position, Manchester United avec 4 points. Sixième position, Everton avec 4 points. Septième position, Brentford avec 4 points. Et la huitième position, on trouve Manchester City avec 3 points. Demain, on passe. En Espagne, la Liga, c'était la deuxième journée. Vendredi, Vitesse Civil a fait match nul contre Cadiz 1-2. Alavaz s'est incliné devant Palma de Mallorca 1-0. Grenade a fait match nul contre l'FC Valence 1-2. FC Espagnol de Barcelone a fait match nul contre Villarreal 0-0. Atletico Bilbao a fait match nul contre l'FC Barcelone 1-2. Les matchs qui se sont joués dimanche, la Sociedad a gagné contre Real Vallecano 1-0, Atletico Madrid a gagné contre Elche 1-0, et le Venti a fait match nul contre Real Madrid 3-2. Je vous donne le classement. À la première place, on retrouve Atletico de Madrid avec 6 points. Deuxième position, Real Madrid avec 4 points. Troisième position, FC Barcelone avec 4 points. Cinquième position, et avec le FC Valence, 4 points. Sixième position, FC Séville avec 3 points. Et la septième position, on trouve Real Sociedad avec 3 points. Après, on passe en Italie, Serie A, c'était la première journée. Samedi, Hellas Vérone s'est incliné à domicile devant Sassuolo 3-2. Inter de Milan a gagné sur un score lourd contre les Genoa 4-0. Empoli s'est incliné à domicile contre Lazio de Roma 3-1. Torino s'est incliné devant Atalanta Bergame 2-1. Les matchs qui se sont joués dimanche, Bologne a gagné contre Salernitana 3-2, Udinese a fait match nul contre Juventus 2-2, Naples a gagné contre Venise 2-0, l'AS Roma a gagné contre Fiorentina 3-1. Je vous donne le classement. Pour le classement, on trouve à la première place l'Inter de Milan avec 3 points, la deuxième position AS Roma et Lazio de Roma avec 3 points, quatrième position Naples avec 3 points, cinquième position Bologne et Sassuolo avec 3 points, septième position Atalanta avec 3 points et la huitième position on trouve Juventus avec 1 point. Après, on passe au championnat portugais. C'était la troisième journée. Vendredi, Aroca a gagné contre l'équipe de Famalicão 2-1. Morenense s'est incliné à domicile devant l'équipe de Braga 3-2. Gil Vicente s'est incliné à domicile contre l'équipe de Benfica 2-0. Sporting Lisbonne a gagné contre Benfica 2-0. Les matchs qui se sont joués dimanche, Tondela s'est incliné à domicile contre Portimonense 3-0. Maritimo a fait match nul contre FC Porto 1-1. Victoria Guimarães a gagné sur un score lourd contre Vizela 4-0. Pour le classement, on retrouve la première place Sporting de Portugal avec 9 points. Deuxième position Benfica avec 9 points. Troisième position FC Porto avec 7 points. Quatrième position Portimonense avec 6 points. Cinquième position Braga avec 6 points. Et sixième position Gil Vicente 6 points. Je vous dis que cette vidéo est terminée. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Beaucoup m'a dit la vidéo classe. N'attaquez-moi avec la vidéo qu'adima. Je vous dis que cette vidéo est terminée. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Goukoum, salam alaikum. Au revoir.